Bienvenue à notre célébration de la parole en ce lundi de la 28e semaine du temps ordinaire. Que la grâce de Dieu nous accompagne alors que nous nous rassemblons pour écouter sa parole et ouvrir nos cœurs à son enseignement. Aujourd'hui, Jésus nous invite à scruter plus profondément nos cœurs et à réfléchir à notre attachement aux valeurs du royaume. Que l'Esprit Saint nous guide et nous éclaire, afin que cette célébration soit une source de force et de paix pour chacun de nous. Que Dieu bénisse notre prière commune. Nous sommes unis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Récitons ensemble le psaume 42. Rends-moi justice ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler ô mon âme et gémir sur moi Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Implorons la miséricorde de Dieu pour qu'il nous accorde le pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie, votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous Seigneur votre miséricorde, accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière, que mon appel parvienne jusqu'à vous. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille à ma plainte Seigneur. Ne m'abandonne jamais Seigneur mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide Seigneur, force de mon salut. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Au Christ, ayez pitié, au Christ, ayez pitié, au Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frère, il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair, celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique, les deux femmes sont les deux alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar, la servante. Tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle, notre mère. L'Écriture dit en effet Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, nous sommes ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage, point ceux qui méditent le mal se disant eux-mêmes Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments, nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Loué, serviteur du Seigneur, loué le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, Cette génération est une génération mauvaise, elle cherche un signe, mais en fait de signe il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront, en effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus se confronte à une génération qui cherche des signes, mais il dénonce cette attitude, la qualifiant de perverse. Il leur répond que seul le signe de Jonas leur sera donné. Jonas, dans l'Ancien Testament, est ce prophète envoyé à Ninive pour appeler la ville à la conversion. Après avoir passé trois jours dans le ventre d'un grand poisson, il finit par accomplir sa mission. La référence à Jonas pointe vers la mort et la résurrection de Jésus, lui qui restera trois jours dans le tombeau avant de ressusciter. C'est le signe ultime du salut offert par Dieu. En demandant des signes, la foule montre qu'elle ne comprend pas l'essence même du message de Jésus. Il cherche une preuve extérieure, un miracle spectaculaire, mais passe à côté de la plus grande révélation, Dieu lui-même qui se manifeste en Jésus, la parole faite chair. Leur incapacité à reconnaître la présence de Dieu en Jésus souligne la fermeture de leur cœur. Et pourtant, Jésus leur rappelle que des étrangers, comme les Ninivites et la reine de Saba, ont reconnu la sagesse et l'appel de Dieu. La reine de Saba a traversé de grandes distances pour écouter la sagesse de Salomon, et les habitants de Ninive ont écouté Jonas, malgré son message de destruction imminente. Cet évangile nous interpelle. Combien de fois cherchons nous aussi des signes, des miracles, ou des manifestations tangibles de la présence de Dieu, alors que sa grâce agit déjà dans nos vies, souvent de manière discrète, humble, mais puissante? Nous sommes invités à ouvrir les yeux de la foi pour reconnaître la présence de Jésus, non pas dans des événements spectaculaires, mais dans notre quotidien, dans les sacrements, dans la parole de Dieu, et dans les rencontres avec nos frères et sœurs. Le signe de Jonas est un appel à la conversion. Comme les habitants de Ninive qui se sont repentis à la prédication de Jonas, nous sommes invités à changer nos cœurs et à accueillir la miséricorde de Dieu. Jésus est venu pour nous appeler à la vie, à la réconciliation, à la communion avec Dieu. N'attendons pas des miracles extraordinaires pour nous tourner vers lui. La résurrection est le signe par excellence, et elle nous ouvre les portes d'une vie nouvelle. En ce jour, laissons-nous interroger, sommes-nous prêts à accueillir ce signe de la résurrection, à nous convertir chaque jour et à ouvrir nos cœurs à la sagesse du Christ, plus grande que celle de Salomon, et à sa miséricorde, plus puissante que celle prêchée par Jonas Laissons la lumière de sa résurrection illuminer nos vies et guider nos pas vers une foi vivante et agissante. Amen. Offrons nos louanges à Dieu. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume, tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang, prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour, nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur et pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour le Pape François, nos évêques, les prêtres, les diacres et toutes les personnes qui sont au service de l'Évangile prions aussi pour tous ceux et celles qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut et la grâce de persévérer dans la droiture, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous protège et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage, et qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'évangile, selon Saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Unissons nos cœurs dans l'humilité et la confiance pour implorer la protection et la miséricorde de Dieu par ses prières. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut aux reines, mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, Tournez vers nous votre regard miséricordieux et, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Et par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints. Écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons pour la conversion des pécheurs et pour la liberté et le triomphe de notre Sainte Mère, l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré Cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Soutenez notre mission en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications. Pour plus de renseignements sur notre mission, visitez notre site web sur http oblique site ou suivez-nous sur Facebook sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'évangile au monde.